Bonjour à vous tous, c'est Joe Kawan, j'espère que vous allez bien. Avant de faire mon tuto, je tiens à vous inviter à s'abonner sur ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir profiter à chaque fois de nouvelles vidéos que je publie. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe sur Facebook ainsi que ma page. D'ailleurs, je vais laisser tous ces liens dans la description de la vidéo. Mon tuto d'aujourd'hui va être sur une application Android qui s'appelle Live Plus. Et cette application va vous permettre de regarder, c'est-à-dire de profiter de toute l'intégralité de la Coupe du Monde sur vos téléphones Android. L'application est beaucoup plus destinée pour les gens qui travaillent, c'est-à-dire avec cette application, et peuvent aussi profiter en même temps de leur travail de regarder les chaînes, c'est-à-dire les matchs de la Coupe du Monde. الفيديو اليوم راح يكون على تطبيق الاندرويد الذي سيمكنكم بمشاهدة كل مباريات كأس العالم. ومن مميزات هذا التطبيق لديه سيرفرات قوية والقنوات تمشي بكل ثبات على هواتفكم الاندرويد. Comme je vous ai dit, l'application s'appelle Live Plus. Je vais laisser le lien pour télécharger cette application. Dans la... Une fois que cela est fait, vous allez vous retrouver avec cette icône Live TV. Accéder dedans, l'application va vous demander de faire une mise à jour, c'est-à-dire de faire une mise à jour pour être sur la nouvelle version qui s'appelle Live Plus. Une fois que c'est fait, vous cliquez pour entrer dans l'application. Une fois que vous êtes dedans, vous allez voir que les matchs qui vont être joués aujourd'hui, mais je vais vous avertir que l'application a beaucoup plus d'annonces, mais l'application marche très très bien. Mais là, vous pouvez choisir le mot en cliquant sur la case du commentateur. Et là, comme exemple, on va choisir celui-là. Et on va cliquer, c'est-à-dire, sur Mouafiq, appliquer. Pardon. Comme je vous ai dit, l'application a beaucoup plus d'annonces. Et vous pouvez choisir le Jouda. Et cela, chacun avec la disposition de Internet qui est sur leur téléphone. C'est-à-dire moi, je vais profiter la moyenne. Jouda Moutawassita. Mouafiq. On va cliquer sur le petit X pour enlever l'annonce. Et là, il y a une date à la Shahid Al-An pour voir le match. C'est-à-dire la chaîne qui va diffuser le match. Et là, comme vous voyez, bref, j'espère que ce tuto saura bien vous aider et j'espère aussi de votre part de mettre plein plein de j'aime et plein de partages sur mes vidéos. C'était Joker One et je vous dis à une autre fois sur d'autres tutos. Merci à vous tous. Salut.